Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reviens avec mon haul Action, que ça fait du bien d'aller dans les magasins et de sortir un peu de ces travaux à la maison. Donc, j'ai été pour chercher surtout enfin, de la déco et de l'utile aussi pour un petit peu aménager la cuisine. Donc, je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai trouvé. Donc, une râpe comme ça, avec plusieurs grains. Donc noir à 2,72 €. Un tapis de cuisson pour mettre à l'intérieur du four à 2,99 €. C'est du silicone. Il fait 30 par 40. Des petits rondins de bois comme ça. Alors il y en a 3. Il y en a 3 et c'est 1,49 €. Et moi c'est pour poser mes bougies comme ça dessus parce que sur la cheminée ça fait des marques rouges. Donc là pour l'instant je les ai mis sur mon plateau, mais je vais les remettre sur la cheminée, mais avec des petits rondins comme ça pour pas me faire de marques. Un petit panier comme ça, j'ai trouvé super joli en bois et puis noir, donc ça ira très bien dans la déco de la cuisine. Et ça c'était 1,74 €. Et on est allé après chez Centre Accor et j'ai vu le même, enfin, grosso modo le même, à 6,49 €. Donc j'étais bien contente de l'avoir trouvé chez Action. J'ai repris deux petits paniers comme ça pour faire mes rangements dans mon meuble Alex. Je ne les trouve pas en blanc dans mon Action. Bon, ben, comme l'autre jour j'en avais acheté un grand noir, ben, là du coup j'en ai acheté deux petits à 0,68, c'est des petits formats hein. Et ça passe très bien dans les tiroirs Alex. Au niveau bricolage, comme le plus gros du chantier de la cuisine est terminé, on va pouvoir passer au papier peint. Donc je vous dis, on doit avoir un rouleau, peut-être deux, mais pas plus. Donc j'ai pris la colle là-bas, je me dis que ce sera toujours moins cher que d'aller l'acheter chez 4 murs. C'est 2,93 €. Pour faire la peinture de l'entourage de la fenêtre, j'ai pris du rouleau comme ça pour masquer la fenêtre, justement, pour ne pas la peindre. C'est 1,19 € et il y a 25 mètres. Beaucoup quand même, hein? Pour faire la peinture, j'ai pris un petit pinceau comme ça, plat. C'est un numéro 1. Ça c'est pareil, c'est vraiment pas cher du tout. 0,52 €. Et j'en ai profité pour en prendre un pour moi quand je fais mes ongles, pour pouvoir nettoyer autour des cuticules pour enlever vraiment le maximum de poussière. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup de PO qui le font, j'ai dit je vais essayer. C'est un 14 cm et celui-ci vaut 0,72 €. Du White Spirit, ça sert toujours. Quand on fait de la peinture, là il y a 1 litre et c'est 2,19 €. Et pour faire les joints tout autour du plan de travail, en dessous du carrelage, un joint de silicone blanc comme ça à 3,19 €. Ça c'est fait. Pour la maison, j'ai repris deux fois 36 feuilles comme ça de cuisson en sulfurisé, là, papier sulfurisé à 0,99 €. Donc j'en ai pris deux. Des petites lingettes comme ça, nettoyantes, XXL 0,99 €. Je ne sais pas combien il y en a dedans, il y en a 25. Ensuite, Chérie s'est pris un pack comme ça avec 20 piles plates à 2,99 € avec différents formats. Toujours pour Chéri, pour mettre ses documents quand il a rendez-vous chez le médecin. Moi j'en ai un à fleurs, donc j'en ai pris un peu plus sobre, bleu, ça fait quand même plus masculin, à 0,39 €. De toute façon je ne retrouve plus les miens à fleurs, c'est vraiment trop beau et je ne la trouve plus. Je me suis pris aussi un fond de teint L'Oréal Infaillible, je n'entends que du bien. Donc j'ai trouvé la teinte vanille rosée. Moi je suis assez blanche de peau, on verra bien. C'est 3,95 €, on verra bien parce qu'en ce moment je suis tellement fatiguée que
Puis là, en plus, j'ai l'impression que le teint, il fait sombre. C'est vraiment, c'est pas arrangeant pour le teint. Un stick de Labello, enfin, c'est pas Labello, c'est le petit Marseillais à 1,44 pour les lèvres sèches. J'ai trouvé des stylos, j'arrivais pas à me décider sur la couleur. Ils sont chromés sur le bas. Je vais essayer de les sortir. Ils sont chromés sur le bas, il y a des petites paillettes sur le haut. Je sais pas si vous verrez bien. Et les petites paillettes dans le haut du stylo, c'est magnifique. Alors j'en ai pris un avec des paillettes roses comme celui-ci. Et j'en ai pris un autre avec des paillettes dorées. Je vais vous le sortir aussi. Vraiment très joli. Même pour un cadeau de Noël, je trouve ça super joli, moi. Ils sont vraiment pas chers en plus, ils sont à 89 centimes, quoi. J'en mets un dans mon sac à main, rien que je vais laisser ici. Et comme quoi, quand on cherche plus, on trouve. Enfin, c'est Chérie même qui l'a trouvé. Il y en avait un dans le rayon, un DP, un diamond painting de Noël. Il n'y en avait qu'un seul. Moi, j'aurais bien aimé trouver celui avec le bonhomme de neige. Mais je ne vais pas faire ma difficile. Il n'y en avait qu'un, donc le carton est un peu abîmé. Mais bon, je m'en fiche un peu de l'emballage. Au moins, j'en ai trouvé. Hein. Je vais pouvoir m'occuper mes soirées d'hiver. À 4,29, c'est un 30, enfin 40 par 30. Et j'avais même pas vu, il brille dans le noir. Oui, effectivement, on voit ici que c'est les lumières. Il est très joli. Bon, ben j'en ai un. Pas celui que je voulais, mais enfin, pas celui que j'aurais pris, mais j'en ai un. Maintenant, on va passer à la gourmandise. Alors, j'ai pris, ça c'est mes petits-enfants, ils adorent ces trucs-là, c'est des grands sticks comme ça, Haribo. Alors, il y a saveur Coca-Cola, je vais mettre comme ça, je serai un peu moins dans l'ombre. Il y a Coca-Cola, c'est 1,49€ le sachet, il y a fraise et pomme. Ça, ils adorent ça, c'est 1,49€, donc vraiment c'est pas cher. Et ça, c'est Chérie qui m'a dit de prendre des petits gâteaux pour le soir en regardant la télé. Alors, on a pris 0,99. Il mérite parce qu'il a bien travaillé là, pour les travaux. Il mérite. 0,99, c'est la noix de coco. Et moi, j'ai pris ceux-là. C'est aux cacahuètes. Aux cacahuètes. Et ça, le prix 0,83. Comme ça, on aura chacun notre paquet. Et ça, c'est aussi pour le Titi, parce que je sais qu'il aime bien les gâteaux comme ça, Nutella. C'est des gâteaux ronds à 1,89. Et il y en a combien là-dedans? Bonne question. Il y a 166 grammes. C'est Nutella, c'est la marque. Et pour la Minoucha, parce qu'en fait, moi je croyais que c'était un chat, mais mon mari m'a dit non, c'est pas un chat, c'est une petite chatte. Je lui ai pris des sachets comme ça, Whiskas. Au poisson à 1,63. Je sais pas combien il y en a dedans. Il y en a 2, 3. Il y a des sachets là-dedans. Non, il y en a 4. 4 sachets pour 1,69. Ça va, c'est correct. Et j'en ai pris un comme ça, individuel, à la dinde, à 62 centimes. Elle est gâtée quand même. Elle vient plusieurs fois par jour, mais aujourd'hui, on l'a pas vue. On n'a pas été là pratiquement, pas beaucoup. Donc, elle, je ne sais pas si elle est venue, mais on n'était pas là. Voilà, 0,52. Donc, mon ticket, j'en ai eu pour 49,34. Je vais peut-être en profiter pour vous montrer ce que j'ai trouvé chez Centracor. Je vais chercher le sac. Bougez pas. Oh, sac de chez Centracor qui est sur la chaise. On ne veut rien faire tomber. Je vais commencer
Bim, pas le truc en verre avant de le casser. Par contre, c'est des briquets là. Alors, le Soliflore évasé hauteur 30 cm, 4,99. Il est en verre un peu cassé comme ça. Il est très joli. Un plateau tournant en bois. Parce que avant, sur mon plan de travail, il était en carrelage. Donc quand je sortais un plat du four, ça ne me dérangeait pas de le poser à même le carrelage. Maintenant, j'ai un peu peur sur le plan de travail en bois. Dites-moi, celles qui ont des plans de travail en bois, si on peut poser du chaud dessus, ce qui m'étonnerait beaucoup. Donc j'ai pris comme ça, en me disant, si ça brûle ça, ça brûlera le plan de travail. Mais au moins, je préfère que ça brûle ça. Donc c'est un plateau tournant comme ça, en bambou, je crois. Oui, en bambou. Il fait 35 cm de diamètre. Et il fait 12,99 €. Et ça, j'aime bien quand vous êtes à table, vous mettez toutes les petites sauces, etc. Vous mettez au centre de la table et tout le monde peut se servir. Je trouve ça super. Je vais le mettre au bout là-bas pour ne pas faire de bêtises. Après, une étagère. Voilà, c'est ça que j'ai vu, que j'ai trouvé sympa également. À 24,99 €, c'est une étagère que je vais pouvoir poser sur mon plan de travail. Il y a des pieds en alu. Il y a un plateau sur lequel je vais pouvoir poser mes petits pots dans lesquels il y a du sel et des aromates. Et à côté, il y a un panier où je vais pouvoir mettre mes cuillères, mes ustensiles pour faire à manger. Et en dessous, accroché, de quoi mettre le rouleau de sopalin. Je me suis dit, c'est pas mal. Donc, je l'ai pris. On verra bien. Ce que j'ai pris également, c'est un dessous de plat, mais plus petit. Quand c'est pas des grands... Ça, c'est bien pour mettre un plat à tarte, par exemple. Alors que l'autre, ce sera plus quand je mets la grande plaque, la lèche-frite. Là, c'est plus petit. Et celui-là, le dessous de plat 20 cm à 2,49 €. Comme ça. Et je me suis pris deux cuillères comme ça. Moi, j'en ai en noir comme ça, mais sans le manche en bois. Mais ça, je n'ai pas la cuillère comme ça creuse. Moi, j'ai la louche, mais j'ai pas la cuillère creuse. Et j'ai pris le fouet également dans le même style. Et c'est 3,99 €. Voilà mes achats du jour. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à partager, à commenter. Dites-moi pour celles qui ont un plan de travail en bois, si ça supporte la chaleur. J'ai un peu peur, j'avoue que j'ai un peu peur pour l'instant. Je mets sur ma plaque de cuisson ou sur mon plan de travail, vous savez, Ikea en plus, là, parce que lui, il est vieux, il ne craint plus rien. Mais j'ose pas encore poser sur le plan de travail. Dites-moi si ça craint ou pas. Et puis, abonnez-vous si c'est toujours pas fait. Plus on est de fous, plus on rit. Et puis, vous l'aurez vu sur ma vidéo précédente où je teste la box HelloFresh. Je vous ai dit que pour les 4000 abonnés, je ferai un concours. Et je voulais avoir votre avis quant au lot à gagner. Si vous pensez que c'est judicieux de faire une carte cadeau de 40 €, hein, 4 040 €. On reste toujours dans les chiffres, enfin dans les deux premiers surtout. Et dites-moi si c'est une bonne idée de faire une carte cadeau, mais de l'enseigne de votre choix, enfin du choix de la personne qui sera tirée au sort. Dites-moi si ça vous intéresse ou alors si on continue et si je fais une carte cadeau action. Moi je pense que c'est mieux de faire une carte cadeau de votre choix. Voilà, dites-moi ça. Abonnez-vous parce que les 4000 approchent, vous avez peut-être une chance de remporter ce lot. Et puis nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !